Déjà, bonjour YouTube. Cave d'Ildebrandt. Première session enregistrée. Le mieux qu'on ait fait, c'est 92 salles. On est avec Pardy. Bonjour Pardy. Bonjour, bonjour YouTube. Voilà. Et on pense que c'est une aventure qu'il vaut mieux faire à deux. Plutôt qu'à trois ou solo. Ok. Donc là, il y a des choses à acheter. Boutique. Donc moi, normalement, je peux tout de suite acheter, je crois, une grosse épée. Moi, qui fait 15 de dégâts. Je crois pas qu'il y a plus balèze. Hein. Non, j'aurais pas plus balèze. Donc c'est l'épée lourde. J'achète, j'équipe. Je vends. Ouais. Et je vends. Flûte cassée, ça fait provocation d'ennemis. Est-ce qu'on a envie de ça? Non, pas vraiment en fait. Par contre, ce qui peut nous intéresser, comme d'habitude, dirais-je bien, c'est un casque, une veste en cuir. Et j'ai plus rien. Voilà. Bah, j'ai bien fait alors. Pareil, ton arbre de la rapidité. Ah ouais, moi au début je me tanque. Juste je me tanque en fait. Parce que je peux tenir le premier étage. Mon arbre de l'ermite. Oh, tu peux la garder parce que je crois que du coup tu pouvais rien acheter d'autre. Tu peux rien acheter d'autre en abandon. Non. Parce que bon, pareil, si tu peux. Si tu... En fait, le truc c'est que l'investissement de départ, je pense que même au-delà des herbes et compagnie, on en a pas trop besoin au début. Pour le premier étage, parce que souvent on trouve une fontaine, on trouve un sanctuaire, soit une fontaine, soit un sanctuaire, et bah surtout que moins tu subis de blessures, moins t'as besoin de consommer d'herbe. Mmh. Et ouais, donc bref, passons, on verra. Finalement, on teste. Hein. Si on pouvait tomber sur le petit arbre infernal, ça nous irait très bien. Allez, vous débloquez un super set d'armure hein, là-dedans, armure des enfers et tout, ça nous met d'accord. Mais même très bien. Ouais, j'ai pris une bourse de Mamadou. Ouais, tu vois, j'anticipe. J'anticipe. D'ailleurs, finalement, je pense qu'on est mort parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu en acheter. Ouais. Bah voyons. Bah alors, j'ai une mauvaise foi. Merci le jeu. Carrément. Et puis, il loupe rien. Ouais, puis bien sûr, il te fout le focus. Ah ouais, tu vois, je monte jusqu'à 23 dégâts hein, sur cette arme. Ah yes. Ah, mais du coup, il trouve 4 15, succès, quoi. 15 vanilles. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça tabasse fort, quoi. Vas-y. Ah, bien vu. Le ralentissement, c'est la vie. Ah bah là, je sais que celui-là, l'arc le court, il le fait. Partage pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà. Vas-y, ramasse. Ouais, je récupère, je vendrai, puis pareil, je ferai la moitié ou j'achèterai une barbe. Oh, le petit Nas qui joue vite. Tapez-moi. Merci. Moi, tant que le petit Nas me frappe, ça va très bien. Ah, c'est pour toi ça. Esquive ? Bah, visiblement, non. Hop. Allez, vas-y, tape-moi dessus le gnoll. Hein. Voilà. J'adore ce que tu fais. T'as des points de feu. Hein. Ah, tes points, c'est le feu. Hein. Oh mon dieu, j'ai perdu de PV. Hein. Ouh. On récupère. Hein. On se gare, c'est cool. Ouais, même si t'es déjà mid-life, tu vois. Alors que si t'avais plus d'armure, je pense que je vais même... Ah oui, alors déjà, du coup, il est trop tard, t'es déjà prêt. C'est même te refiler, genre mes bottes ou mon casque. Ouais, fais péter. Oh non, vas-y, garde. T'inquiète, hein, c'est le premier niveau, hein, on sait que c'est comme ça. Hein. Alors il donne quoi, concentration max, tout ça, tout ça. Vas-y, prends. Tu passes un level. Voilà. Bah, ça y est. Oh. L'harpie, on est d'accord. Hein. Ouais, vas-y, hein. Pourquoi tu fais pas de CC? Jolie esquive. Allô? Yes.
Un dégât. Bah c'était méga vénère hein. Oh, esquive. Allez, c'est ton kill. Yes. Ah bah tiens, la voleuse c'est toi. Bah normalement prochaine salle tu prends ton level. Ah bah. Bah yes. Désactiver c'est... Ouh, 7% de chance de réussite hein, on sent que je joue pas forgeron. Ouais, vas-y débarrasse nous de ça. Je vais détruire. Ah bah oui, si on peut éviter de prendre du poison là vraiment... là vraiment moi je suis d'accord. On a pas de panax en plus hein. C'est ça. Le poison c'est vraiment pas le cadeau quoi. Super, tu as annoncé contre un vulgaire pigeon. Aïe. Rien du tout. T'as même pas sourcillé. 78% de chance quoi. Vraiment les stats de jeu hein. Ah c'est, ils ont vraiment piqué l'IA de Darkest Dungeon. C'est vraiment... Aïe. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça fait pas de dégâts. Heureusement. La meilleure nouvelle c'est qu'il est mort. Ouais. C'est tout ce qu'il nous donne? Ouais. Oh, ah c'est pas random. La grande générosité hein. Un cadavre de magicien, super, trop content. Ouais. Ouais, c'est tout. De toute façon, un cadavre de magicien, j'ai envie de te dire. Tout est là. Allez, hein, faut me taper les petits bonhommes. Hein. Oh oui, c'est lui qu'il faut regarder. Excellent. Ah, belle frappe. C'était mou du genou, ça, monsieur. Moi je vais désintégrer ça. C'est un peu overkill. Léger, mais on dira rien. Ah! Oh! Avec de l'esquive, hein! Ah! Oh! Ou alors avec de la vigilance au choix. Avec de la vigilance, je ouais. Pense, hein. Ah bah oui, tu veux la tunique toi ou pas? Je crois pas, parce que je crois qu'elle donne que de l'armure et de l'esquive. Ouais, et discrétion d'élite. Elle donne pas de résistance? Non, que de l'armure. Combien d'armure? 3. Ouais, pas dingue, hein. Je vais garder ce que j'ai. Comme tu veux. Je préfère avoir un de résistance et de la magie. Alors. Ah, il faudrait acheter le bonbon noir pour toi. Moi je vais acheter la bourse de Mimidou, si on en a deux. Et on n'en parle plus. Y a pas juste une paire de pompes classiques pour toi éventuellement. Ah, Citresse de. Moi ouais, le petit chapelle de fer il me tente bien hein, si jamais tu peux. Ça je te file mon casque. Bah c'est soit le bonbon noir, soit le chapelle de fer. Ah bah bonbon noir. Attends, je dois avoir une merdouille à vendre. Non, ah non, j'ai rien à vendre. Bon, bah j'ai rien dit. La pauvreté. Pauvreté est complètement là. Ouais, carrément. Ah, t'as déjà claqué ton. T'as claqué ton herbe de dieu là? Ouais. Juste avant de faire un repos de groupe? Bah Ah tu voulais un repos de groupe et là bah maintenant? Oui c'est pour ça que j'ai acheté une deuxième bourse de Mamadou. Ah mais moi je et pensais c'est d'ailleurs que même pour ça que je trouve d'après. Ça dommage. Et c'est pour ça même que je trouve dommage que t'aies pas claqué tes deux points. Bah si l'intérêt là c'était qu'on se retape. Mais tiens vas-y je te donne ça bah du coup moi j'ai assez. Bah tu vois je pensais que c'était pour les salles suivantes en fait. Bah non, parce pas qu'on peut se reposer qu'en fin de donjon.
jamais en début. Donc là tu vois, on peut se reposer qu'à la fin. Et là il faut qu'on tienne tout le donge là avec notre herbe de dieu. Alors là faut faire un perfect sur le pigeon, ce qui est mort. Bah non, en fait c'est le pigeon qui est mort. Désolé. Enfin ceci dit, je suis un peu mort aussi hein. Blague de mort vivante, peut pas comprendre. Cadeau. Yes, c'est bien d'avoir 75 en vita pour faire ça hein. Lourd hein. Je suis même pas full PV. Jeu trop dégueulasse. Et c'est le moment où ton arc commence à être un peu faible, non? Ah non, ça va encore. Oh c'est personnel. Ah, ça commence à être limite, oh c'est personnel. Limite, hein. Ouais. Ah bah voilà. Petite paire de bottes. Eh ben voilà. Ça fait plaisir. Oh, ça a tellement bien dégagé ça. C'était beau. 5, c'est tout ce que t'es on capable de faire. De faire les choses bien. 10, je pense que tu peux lui enlever. Oh, je m'équipe. Petite rune de résistance contre les magiciens, on aime bien. On adore. Oh, c'est pas un petit bonus au critique, ça? Oh, si. Oh, c'est beau, ça. Oh, si, si, monsieur. Oh, GG. Du coup, t'as re 2 points à claquer. La plante empoisonne, je crois. Ouais, ouais, la plante elle empoisonne. 18, c'est plus que ce que je peux lui mettre. Hein. Ah, bah ça bah, s'est bien mieux. Passé. La réussite qui suffisait. Parfait. 7 balles, hein. Ah, je l'avais bien. Je suis un peu en retard en XP. Merci. Je suis pas très fan du feu en général. Pas très fan du feu, ouais, on est d'accord. Hein. On va peut-être plus le ralentir celui-là. Comme ça, j'aurais joué avant lui. Et je me serais pas. C'est vrai que c'est pas faux. Non, mais pourquoi, t'as pas... pourquoi il t'a pas acheté à attaquer toi? Comme ça, t'aurais été gelé. Pas parce le qu'il feu, avait pas envie. Bon, je te laisse le finir. Hein. J'ai perdu 2 points de vie, moi, avec cette connerie. Résistance au groupe. Intéressant, ça. Bah, j'ai rien, j'ai l'équipe. Arc court, t'as déjà? Ah, bah, c'est ce que j'ai, ouais. T'es récupéré, ça ira à la poubelle. Moi, toi aussi, garde du stuff, hein. Oh, c'est pour quelqu'un de musculeux. Pourtant, il y en a qui disent que j'ai même pas la peau sur les os. Je trouve ça très discriminant. Ah. Ah bah putain, il nous l'ont resservi. Ça fait bien plaisir. Ah bah vas-y, passe, hein. Vas-y, passe. Ouais, vas-y. Putain, j'ai tellement bouffé. Oh, je suis passé. Quoi? 34% de chance. Mais c'est quoi cette arnaque? Tout le monde sait très bien que 34 c'est 100%. Oh, la malhonnêteté d'un jeu. Allez, mais boutique. Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas de bonbons. Ah, il y a pas de bonbons. C'est dégueulasse. Bonbons.
Il y a un chapeau de pêcheur avec une immunité à l'eau. Si toi t'as pas de chapeau, ça peut être sympa, parce que ça donne 3 d'esquive. Des bottes de voyage, j'ai pas de bottes. J'ai pas de bottes moi. Ah ouais, j'ai pas de bottes. J'ai pas de bottes. Super. T'as ton cristal nébuleux aussi qui va te donner plus de vigilance si tu veux réussir tes tirs. Enfin, il y a des tas de trucs quoi pour toi. Et puis bah moi je vais me contenter de me prendre une pipe en orbe. Voilà. Et te filer la thune. Ah attends, je crois que j'ai pas vendu, ouais, l'arc court. Voilà. Ouais, je sais pas ce que t'as toi à vendre de ton côté, mais... Bah là j'avais presque rien, j'avais un parchemin et presque rien. Du okay. coup, bah j'ai pris le cristal nébuleux. Ok. Et j'ai pris le chapeau de pêcheur. Ok, bah très bien. Histoire de tanker un peu plus. Là, t'as vu on résistance, je suis un peu rattrapé. Ouais, on devrait pas être trop mal. Ouais, on ouais. est bien. Ça devrait être plutôt pas mal. Du coup, on économise un recoup pour notre groupe là, vu qu'on est quand même pas mal. Comme tu veux. Allez, c'est... Ouais, on économise. Peut. Parce Allez. Qu'en vrai, il te manque quoi, 10 PV, moi il me manque 7. Ouais, 10 PV, c'est rien. Et pas trop trop mal, ça va quoi. Et là, ça n'était pas trop trop mal, c'était avant de tomber sur le troll. Parce que si tu peux l'empêcher de jouer, ça serait bien. Bah, il là, jouera je quand le même. Tue pas, hein. Ouais, il jouera là, quand même. Là, je le tue pas. Ah, tu sais, ça, moi mes dégâts ils commencent vraiment à faiblir là. Bah, le truc, ouais. Il attaque un bonus que contre les humanoïdes donc c'est un peu compliqué. Et les oiseaux? Ouais. Ah oh, putain, sûr, même pas le truc quoi. 84% de chance, hein, c'est 0%, c'est bien connu. Ah, j'ai plus de points. Ouais, je sais. Tu en as pas de ah, barbe bourrée. Ça dégage. Ça, ça va partir à la poubelle. Exactement. On a de quoi l'ouvrir. Ouais, tu as de quoi l'ouvrir. Un peu de savoir, c'est toujours le bienvenu. Ah, je prends la picole! Oh! Bah, t'es bon pour me filer ton chapeau, je crois. Hein. Ah, ouais, je crois aussi. Hein. Oh, oh! Merci, ça fait plaisir. Tu veux mon chapeau? Bah, ouais, je crois. Hein. Tiens, cadeau. Là, j'ai qu'un d'armure et qu'un de résistance. Là, j'ai deux de résistance. Ouais, ça me va. Prenez des chapeaux, pauvre pêcheur. Parce que je sais qu'on va affronter un boss qui fait de la magic, donc... En plus, oh là là, l'autre il a trop de la chance, quoi. Ah, c'est tous les deux des humanoïdes, ça c'est bon. Mais j'empêche qui de jouer? Moi je dis un magicien qui joue pas, c'est bien. Hein. Ouais, hein. Il a changé de réalité. Ouais. Ah, dommage. Fallait faire plus de succès. Est-ce que tu veux la barbe de Dieu? Non, j'attends de voir la prochaine salle. C'est pas... C'est pas un combat, donc j'attends de voir ce que ça va être.
C'est un piège. Et tu es sûr que tu veux la... ne veux pas la part de Dieu? Ah, je peux pas te la donner. Par contre, je vais peut-être te prendre la phalanx. Ah non, 69%. Ok. Je veux bien la panax avant de me mettre prêt. Oui, tiens, ah, je viens de te la donner. Je crois que je vais être obligé de te taxer la barbe de Dieu aussi. Ah ouais, trop tard. J'appuie sur prêt. C'était bien. Bah, je te la file quand même. Oh merde. Ah, putain. Tu me la fileras pas. C'est pas grave. Bah, je t'en achèterai une. Si on ne meurt pas ici. Bah alors, on va faire des trucs débiles. Bah alors. Quoi? Heureusement que mon arc. Mais non, mais la malhonnêteté de ce jeu, quoi. Mais non, mais c'est sérieux. Trop de points de vie, cette merde. Hein. Vraiment. Ah bah yes. J'ai un peu mal à la gueule, là. J'ai perdu un os. J'ai perdu les os là. Ah, merci, c'est bien aimable à vous. As-tu vraiment perdu que les os? Bah, il y avait que ça à perdre en fait. On a perdu une des civils là déjà, c'est horrible. Run de la catastrophe. Ouais. Ah, meurs. Bah après tu me diras, j'ai mon temple. Vas-y, prends. Hein. Tu vas mourir si tu prends pas. Donc il faut que tu le prennes. T'as encore moins de points de vie que moi. Avec 63%, c'était beau. Tout à l'heure avec 73%, c'est pas passé, hein. Non, je me suis fait empoisonner. Oui, moi à la fontaine 75%, 3 tests. Hein. C'est pas passé, j'en ai eu qu'un. C'était très superbe. Alors la moitié finale, je rappelle que c'est un barde. Hein. Alors ça fait quoi On va utiliser ça. Si je suis complètement bourré. En justice. Bon bah voilà. J'ai utilisé une boisson pour rien. Pardon. C'est quoi ça? Bah c'est justice. Je suis bûcheron. Si j'ai une arme à deux mains, je peux faire du dégât de zone. Voilà. Allez, ah, casse-toi. T'as vu, c'est mes cousins là. Ils ont trop picolé. Regarde, il y en a même un, il est dans les bouteilles. Tu sais que si je rate, je suis mort. Ah bah yes. C'est vraiment sérieux. Il me relèvera pas en plus. Je peux pas. Ah, tu peux même pas. Bah super. Mais non. C'est super. Putain. Oh là là, je peux. La blague. Bon, elle ira pas loin cette run, hein. Non, je ne pense pas. Ça n'a eu aucun effet sur moi. Oula. 12. 12. Ah, bonjour. Comment ça? Il a raté un test, il a réussi à nous mettre sous le choc. Mais c'est injuste. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais normalement faut faire un parfait. Le jeu triche. Mais non, 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 non. Ça va, le jeu il triche assez. C'est super. Bon, t'as fini de tricher, oui.
Ah, 8 d'esquive, hein. Eh oui, monsieur. Mais je perds 1 de vigilance. Et je perds 1 de résistance. Tu gagnes 1 de concentration. Ouais. Bah tu tombes très bien, toi. C'est clair. On a encore cette bourse d'Amadou. C'est une épée à une main. Y'a rien pour un guerrier. Y'a Zub. En même temps, j'étais couillon. J'aurais dû acheter. Tant pis. J'aurais dû acheter. Quand même une bourse d'Amadou en fait. Parce que même si on a de l'avance, elles sont tellement pas chères. Que c'est dommage de pas en profiter. Et la consomme pas, hein. Je viens de te filer une barbe de dieu, la consomme pas, hein. Non, 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 bah non, on va passer niveau, je me tâte à acheter le mou de l'érudit là. Ah, tiens, bah tu veux des thunes, tiens, achète un autre mou de l'érudit, comme ça on passe tous les deux le level 3, si besoin est. Ah, il me manque 4 pièces pour en acheter un. Eh bah, dommage, c'est pas grave. Ça va, Kenji? Tu le veux? Le mou de l'érudit, non, non, tu peux garder. Non mais, t'es couillon ou tu le fais exprès? Tu cherches la merde là. Tu veux que je te finisse à la machette, c'est comment? On va aller se reposer là, en fait. Ça servait à rien que tu passes ton niveau tout de suite. Fallait t'en servir pour passer ton niveau si jamais c'était la merde. Parce que tu peux passer ton niveau en plein combat. Et ouais. Ça, je savais pas. Bah c'est parce que t'es un touriste chinois. Bon allez, clique sur ta bourse de Mimidou là. Voilà. Content? Presque, il me manque un PV. Ce gaspillage que t'as fait, je suis overdé. Ils en ont des PV les cochons là. Un peu pour voir là. Quoi, il joue quand même? Ah ouais, je voulais pas qu'il joue, mais le jeu dit si tu joues quand même d'abord. Bah super. Ouais, c'est ça. Gros jeu, hein. On adore. Ils ont rien lâché. La misère d'une vie. Peut-être une barbe de dieu. Ton prochain niveau est loin. Par contre, tu vois, ça pareil, c'était pas utile d'être claquer un point dedans. Parce que si tu regardais l'ordre chronologique, je jouais avant lui. Donc même si tu l'achevais pas, je pouvais l'achever. Ce qui te faisait économiser un point de concentration pour quelqu'un de plus solide. Mais je voulais vraiment être sûr de pouvoir Allez, le tuer. C'est le moment en fait. Où le jeu s'arrête. C'était bien. Ah, j'ai oublié de te refiler une barbe. T'avais pas besoin d'être sûr de le tuer, puisque je jouais juste après. Bon, là on discute même pas. Donc je mets un max de dégâts. Ralentis-le si possible, hein, par contre.
Ah, il s'en fout, il jouera quand même. Le jeu qui s'en bat la race, c'est quand même. Oh bah, si tu fais pas 14, je suis mort. Ah non, Parzi a abandonné le game. Non. Bon bah des bisous YouTube. C'est les petits crashs du jeu, hein. C'est pas ouf. À la prochaine pour cette aventure qui se terminera peut-être. Ah ça y est, Parzi est là. Ah, fais des bisous à YouTube. Bisous YouTube.